Père Noël, Nicolas. Tiens, mais c'est Comet, le reine du courrier. Déjà de retour du village. Vous voulez que je vous ramène? Montez et trouvez-vous une petite place à bord. Allô, attention! Allez, envole-toi, Comet, envole-toi! On est trop lourd! Bravo, Comet, tu l'as bien eu! Forêt. Oh, que je n'aime pas ça. Je revois encore ses petits yeux cruels et ses dents énormes. Et dis donc, tu n'en fais pas un peu trop, Comet? Bon, allez, je file ou je vais être en retard à l'école. Tous les ans, à cette période de l'année, les rennes sauvages perdent leur bois et ensuite ils repoussent. Mais ça ne leur fait pas mal. Non, Nicolas, c'est aussi naturel que de perdre une dent pour les enfants, n'est-ce pas, Tim Tim? C'est incroyable. Je ne savais pas que les rennes perdaient leur bois. Si, même qu'on les récupère, on s'en sert pour fabriquer des sifflets qui attirent les animaux. Tiens, tu veux essayer? Je peux le garder. Demain, on va aller chercher d'autres bois de rennes dans la grande forêt. Tu veux venir avec nous? Oh oui, j'aimerais bien. Mais c'est dangereux, il y a un loup affamé qui y rôde en ce moment. Bah, ça ne craint rien. Les loups ne s'attaquent pas aux humains. Alors à demain. J'espère que le Père Noël sera d'accord. Bien sûr que tu peux les accompagner. Oh, merci Père Noël. Oh, dites-moi, ça me fait penser, vos rennes magiques, ils perdent aussi leur bois. Tais-toi, malheureux. Ne t'avise jamais de parler de ça devant eux. Viens, suis-moi. J'aurais dû t'en parler plus tôt. Les rennes sont extrêmement fiers de leur bois et quand ils les perdent, ils sont morts de honte. Alors ils se cachent la tête pour qu'on ne voit pas qu'elle est toute nue. Tiens, ça me rappelle quelqu'un qui garde toujours son bonnet sur la tête. Mais ce n'est pas parce que je suis chauve, c'est seulement une question d'image. Vous avez déjà vu un Père Noël sans son bonnet de Noël? Mais dites-moi, si vos rennes sont magiques, alors leurs bois le sont aussi, non? Bien vu, Nicolas. C'est même grâce à eux qu'ils ont le pouvoir de voler. Viens, suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Oh. Ce sont tous leurs bois de l'an dernier. Regarde ce que j'ai fabriqué avec. Oh, je connais cet sifflet. Oui, mais magique celui-là. Tu vas voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, hop, 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 debout et au travail. J'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas drôle, Père Noël. Nous n'avons pas de temps à perdre dans la fabrication des jouets. Désolé, Edgar, je voulais juste montrer ça à Nicolas. Allez, les amis, c'est l'heure de la toilette. Je dirais bien que je suis le seul à avoir gardé les bois. Tu ne peux pas comprendre, Nicolas. Tu ne dois pas les regarder. Ils ont déjà tellement honte. Mmh.
C'est bien la première fois que ça leur arrive tous en même temps. Oh, j'espère que leurs bois repousseront vite. Oui, mais en attendant, ils vont rester enfermés dans la rainerie. Qui va nous rapporter le courrier? On ne peut pas prendre un seul jour de retard avec les commandes. Je vais aller le chercher en motoneige. Ah, oui, mais ça tombe mal. Aujourd'hui, j'ai vraiment une tonne de choses à faire. Je pourrais y aller en traîneau avec Randolph. Tant pis pour ma balade avec Tim Tim et Nick Nack, ce sera pour une autre fois. Ah oui, et le loup, celui qui mangerait bien du renne. Laisse le Père Noël aller chercher le courrier. Les loups ne mangent pas les moutonneiges. Mais toi, tu as encore tes bois. Tu peux voler, alors on ne risque rien. Je n'ai jamais vu de loup volant. Oh. Oh, tiens, mais c'est Rufus. Regarde, il suit Tim Tim et Nick Nack. Calme-toi, Randolph. On ne risque rien. Et puis les loups ne s'attaquent pas aux humains. Mais aux animaux, oui. Rufus, demi-tour, vite. Et voilà, en plein dans la gueule du loup. Oh, c'est malin de nous avoir suivis. Allez, ne t'inquiète pas. Tant que tu es avec nous, tu n'as rien à craindre. Je sais, je vais faire du feu comme papa m'a appris. Comme ça, même si le loup attaque, on pourra se défendre. Comment ça? Personne n'est encore venu chercher le courrier? Bon, merci. Père Noël, Nicolas a sûrement eu des ennuis en route. À moins qu'il ait rejoint ses amis au lieu d'aller chercher le courrier. Comme si je n'avais que ça à faire. Nick-nack, Tim Tim, tenez bon. Tirer les phoques. Mais non, Nick-nack, ces bois de renne sont magiques. Ils ont le pouvoir d'endormir. Ça marchera peut-être sur le loup. Bien fait. Nicolas, qu'est-ce qu'il fabrique? Nicolas, c'est bien toi, Nicolas! Au secours, Nicolas! Oh, je suis là! Randolph, Nick-nack, Tim Tim, réveillez-vous! Randolph! Au secours! Allô! En aide!
Nicolas! Randolph, tu as l'air drôle. Chut. Randolph, tu as sauvé Rufus au péril de ta vie. Tu es un vrai héros. Oui, mais un héros qui a perdu sa couronne dans la bataille. Oh, je n'ai même plus l'impression d'être un reine de Noël. Un reine de Noël? Oh. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Pas mal. Et en plus, on dirait que je fais des jaloux. Ça vous tente?